qu'il faut un deuxième, quoi. Voilà, ce coup-ci, c'était mon tour. C'est comme ça, ouais. Hein, ça arrive, hein, c'est la vie. Hein. Il y a plus malheureux que moi, on va dire. Voilà. C'est sûr que c'est pas pour ça que je venais, mais en même temps, voilà, hein, j'ai pas été bon à un moment et ça m'a amené là où ça m'a mené. Et au final, j'ai quand même pas mal de satisfaction d'avoir réussi à boucler la Transat parce qu'elle était quand même relativement tonique. Et puis, avec une belle concurrence, avec un Armel Lecléache en pleine forme, sur un banc populaire fringant, donc voilà, parfait quoi. Je pense que cette Transat, elle a respecté ce que j'avais dit au départ, c'est pas foiler ou pas foiler, c'est le mec qui arrivera à enchaîner le mieux toutes les transitions. Je crois qu'on n'a pas vu des gros écarts de vitesse entre les bateaux sur cette course. C'est aussi la leçon qu'il faut en tirer, hein. Ça reste du solitaire, et quand on fait du solitaire, c'est avant tout les hommes qui font la différence. L'intérêt de venir, c'était aussi de se confronter à une course comme celle-là, très 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 vive, très très tonique, où il faut tous les jours se remettre en cause, tous les jours enchaîner des manœuvres, pas faire d'erreurs, et je crois que c'est hyper formateur toujours. Ceux qui sont pas venus, enfin, à mon avis, ont eu tort.